Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Et revenez à l'intérieur. Observez Paerwe et observez Ruein. Ruein se ferme légèrement vers le haut. Et maintenant, observez Paerwe et étirez Paerwe vers le haut en rentrant le menton légèrement en même temps. Sentez l'étirement de Paerwe qui étire tout le corps vers le haut. Dans un sourire, souriez aux yeux. Les yeux se détendent et se changent en chi. Souriez au coin interne des yeux. Tout l'intérieur de la tête se détend et se change en chi. À l'intérieur. Le nez se détend. Les oreilles se détendent. La mâchoire, les gencives, les dents se détendent. La langue se détend. Le front et tout le cuir chevelu se détendent. Toute la tête profondément se relâche et s'ouvre. En s'ouvrant, la tête devient plus profonde, plus grande, spacieuse. Mais ce n'est pas une dimension qui est liée à l'aspect physique de la tête. C'est un espace interne qui devient de plus en plus vide et profond. Et se détend de plus en plus profondément. La capacité, le kung-fu, la capacité de base que nous allons explorer aujourd'hui est celle d'observer. C'est la capacité fondamentale à pouvoir recevoir des informations et à pouvoir être stable pour simplement les recevoir sans réagir. C'est une capacité que nous développons dans la pratique, mais qui est très très utile dans la vie quotidienne. La capacité de pouvoir faire face à des situations et de simplement pouvoir les recevoir de manière stable, centrée et profonde, sans avoir besoin d'y réagir ou de changer la situation. C'est une capacité qui, je crois que vous en conviendrez avec moi, pourrait totalement changer nos vies. Que ce soit face
à notre patron, nos collègues, nos enfants, nos compagnes et compagnons, les situations difficiles de la vie quotidienne, tous les petits challenges de notre vie pourraient être grandement améliorés si on avait la possibilité de ne pas réagir, mais de simplement recevoir la situation, de l'observer et de pouvoir rester avec elle sans se sentir menacé, sans se sentir à devoir la contrôler, mais de juste s'ouvrir généreusement à l'accueillir. Ne serait-ce pas merveilleux? Ça pourrait complètement changer nos vies, de développer cette capacité de manière profonde. C'est pour ça que l'on appelle cela un kung-fu, une capacité liée à la maîtrise de la conscience, à la maîtrise de la vitalité. À l'intérieur de la tête, tout s'ouvre, dit Chenji, à voix basse ou silencieusement, et observez les changements à l'intérieur de l'espace de la tête. Oubliez que vous avez une tête et ne pensez plus qu'à l'espace à l'intérieur qui vibre avec Chenji. Le palais de Shenji, clair et lumineux. Le palais de Shenji n'a rien d'ésotérique, rien de spirituel. C'est juste une zone où le champ de chi des neurones a fusionné pour être tellement pur et tellement homogène qu'au centre de la tête, la conscience humaine est apparue la capacité d'être un humain dépend de cette zone à l'intérieur de notre cerveau, dont le champ de chi est si pur, si fin, que le fait de le nourrir développe en nous notre plein potentiel d'humanité, le plein potentiel de notre conscience. Cela n'a rien de mystérieux. Nourrir cette zone, c'est nourrir ce qui fait de nous des humains. C'est éveiller complètement les capacités de notre cerveau et au-delà de notre cerveau, les capacités de tout notre champ de conscience peuvent s'exprimer ensuite à travers nous. Le son Shenji permet d'accumuler du chi pur à l'intérieur de cette zone centrale. Naturellement, ce son accumule du chi pur et clair et permet d'éveiller cette zone, permet de la renforcer, de la dynamiser, d'éveiller toutes ses capacités de conscience et ses capacités d'action sur le champ de chi et sur le champ de conscience.
Et cette clarté, ce chi pur se répand dans toute la tête, dans tout le tantien supérieur. La vibration de Shenji vibre dans tout le tantien supérieur. Et la conscience se calme et se détend. La conscience peut se détendre plus profondément. La volonté de percevoir peut se relâcher. Il ne faut pas saisir les vibrations de Shunji comme si on essayait d'attraper quelque chose. Il faut s'ouvrir pour recevoir les vibrations de plus en plus fines, les changements de plus en plus fins qui apparaissent à l'intérieur. Au lieu d'aller chercher, laissez venir à vous. Au lieu de vous agripper, soyez généreux et ouvrez-vous. Souriez. Détendez, laissez aller à une volonté plus fine, plus douce, celle de recevoir. Alors la situation est perçue de manière plus complète, plus profonde et plus douce. Et les vibrations de Shenji sont perçues plus profondément à l'intérieur de la conscience. Progressivement, les vibrations de Shenji se répandent dans tout le corps de Chi. Le cou, la gorge, les épaules, les bras, tantien médian, inférieur, le bassin et les jambes. Tout devient un même ensemble qui vibre. C'est comme si Shenji était une ondulation à la surface de l'eau, que notre corps de chi soit ce lac sur lequel l'ondulation se répand. Comme une petite vague qui, à chaque shenji, se répand. Et notre corps de chi devient de plus en plus pur, suivant notre conscience qui devient plus fine, détendue et ouverte. Notre corps de chi devient plus pur, fin, détendu et ouvert. La vibration se répand jusque dans l'univers et la conscience reçoit des informations de tout le champ de chi de l'univers. Et la conscience est de plus en plus profondément confortable, installée dans le vide de l'être, un foyer accueillant et moelleux
dans lequel la conscience peut se laisser aller complètement, parfaitement. Ensemble, nos pures consciences se soutiennent, nos cœurs purs se soutiennent, et nous sommes avec toute la communauté de conscience et d'amour. Détendez, relâchez la volonté plus profondément. La volonté devient plus simple, c'est comme jouer à observer. Vous pouvez arrêter de dire Shenji ou continuer selon ce que vous voulez et observez à l'intérieur de la tête. La conscience pure rend l'intérieur de la tête pure. La conscience ouverte ouvre naturellement toutes les couches à l'intérieur de la tête. Tout devient très calme et profond, stable et clair. À l'intérieur du cou et de la gorge, tout est transparent. Et la conscience est si sensible qu'elle n'a aucun mal à recevoir les informations de l'intérieur du cou et de la gorge. Parce qu'en fait, tout est vide à l'intérieur. Alors ce vide naturellement s'ouvre et se connecte avec le vide de l'univers. Les frontières du cou et de la gorge s'estompent, deviennent très profondes. Dans les épaules, c'est comme si la conscience se déplaçait dans le corps,
Mais en fait, c'est une illusion. C'est le corps qui apparaît dans la conscience. Si l'on pense l'épaule, alors on reçoit les informations de l'épaule. L'épaule nous apparaît plus clairement et l'on reçoit plus facilement le chi de l'épaule et les informations de l'épaule. Parce que la conscience choisit d'observer l'épaule. Et tout le reste du corps est présent en même temps. C'est juste que l'on choisit d'intensifier les informations et le chi des épaules. Des coudes, des poignets, des mains et des doigts. Observez profondément dans les mains et les doigts. Les bras. Se vide et s'ouvre. Tout est calme. Le temps de Tien médian. Pénétrer à l'intérieur. On l'appelle le Tan Tien. Tien veut dire espace, veut dire qu'il y a de l'espace, que c'est vaste à l'intérieur. Cet espace où observez le haut du dos, les omoplates, qui se relâchent et s'ouvrent. Et l'on pourrait observer très longtemps, et la conscience pénétrerait de plus en plus profondément, au-delà de l'illusion des sens, pour pénétrer la véritable nature de ce qui est observé. La cage thoracique.
Il n'y a pas d'os à l'intérieur de la cage thoracique. Il n'y a que du chi condensé. Du chi qui a pris forme. Les seins. Se vide et s'ouvre à l'intérieur du temps de tienne médian, au centre, il y a notre bon cœur. Pas juste le cœur physique, notre cœur central. Lumineux, abondant, pur, notre bon cœur. La pratique de Shen Qi, de toutes les pratiques qui permettent au Qi du temps de Tian médian de circuler librement, de devenir abondant, centre notre beau cœur et le rendent plus pur, plus présent et plus abondant, clair. Le Tan Tien médian s'illumine, tout le corps de Chi s'illumine, et sous, gentiment, laissez s'ouvrir. Les poumons, s'illuminent, avez-vous déjà envisagé qu'en restant avec les poumons, vous pourriez connaître très profondément chaque partie de vos poumons, que vous pourriez explorer par vous-même, avoir la curiosité et l'émerveillement de voir apparaître ce qu'est réellement, ce que sont réellement les poumons. Au-delà de la forme, au-delà de l'anatomie, ce qu'est réellement cet espace de chi et comment il est connecté tout l'espace du corps de Chi, à toute la communauté de conscience et d'amour, à tout le champ de Chi de l'univers. À l'intérieur du Tan Tien inférieur, il y a deux possibilités. Soit les yeux regardent depuis le Tan Tien supérieur et l'on a l'impression de regarder quelque chose qui est distant des yeux. Le Tan Tien inférieur est distant des yeux si on le regarde de cette manière. Et l'on en perçoit plus facilement l'extérieur que l'intérieur. C'est la première manière. Il y en a une autre. C'est que la conscience pénètre à l'intérieur. Et c'est la conscience directement qui reçoit les informations du Tan Tien inférieur. Les yeux sont légèrement sollicités
mais il n'y a plus cette impression de distance aussi marquée que si c'est les yeux qui regardent depuis le haut vers le bas. Là, c'est la conscience qui pénètre à l'intérieur, qui reçoit clairement les informations de l'intérieur du Tantien inférieur. Et les trois Tantien sont unis. Et tout le corps de Chi est uni dans la conscience. Tantien inférieur se détend et s'ouvre dans l'univers. La pratique pour tourner les hanches va permettre d'ouvrir le Tantien et de l'unir très 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 profondément. Toutes les pratiques qui pratiquent le Tantien inférieur permettront de rassembler un chi abondant et pur au centre du Tantien inférieur, de rendre les reins abondants, purs, lumineux, de rendre la vessie et le système reproducteur abondant, pur, lumineux. De permettre à, au lombaire et à toute la colonne de Qi de se libérer de toutes les tensions progressivement, de toutes les fixités. Tous les blocages s'ouvrent et tout circule comme de l'eau. Tout se remet en mouvement. De Pai Rui jusqu'à Rui In, gentiment fermé vers l'intérieur du Tantien inférieur. Tout le corps se relâche et s'ouvre. Tout se calme. Le foie. Se relâche et se détend. Toutes ces tensions, toutes ces accumulations se relâchent et se détendent. Tout redevient homogène dans le chi du foie. Le chi du foie se remplit de douceur, de tendresse. Les colères, les anxiétés disparaissent. Tout le stress et les tensions disparaissent. Le chi est tellement abondant et pur, il pénètre, passe au travers et transforme. La vésicule biliaire. Le chi de la vésicule biliaire devient plus pur, vide, transparent, souple. Le pancréas,
La rate. C'est que la conscience ne se limite pas au corps. Le corps est simplement son foyer, mais la conscience par elle-même rayonne dans tout l'univers. La rate. L'estomac, vésicule biliaire ouverte, l'estomac, le foie. Poumons et le cœur s'illuminent et leur chi descend dans le tantien, se mêle au chi des reins et le chi de tous les organes s'assemble à l'intérieur. Les intestins, chi des organes internes s'illumine, puis s'ouvre dans tout le corps de chi qui s'illumine, dans l'univers qui s'illumine, puis avec toute la communauté de conscience et d'amour. N'ayez conscience que tout ça apparaît dans votre conscience. Nous ne sommes jamais sortis dans l'univers. Nous ne sommes jamais rentrés à l'intérieur du corps. Nous sommes toujours restés dans la conscience. Et la conscience peut faire apparaître le bassin et regardez le processus. Immédiatement, vous recevez les informations et le chi du bassin de manière plus claire, plus précise.
sacro-iliaque s'illumine avec toute la colonne de chi jusqu'à Pairue qui s'ouvre dans l'univers. Au niveau du corps, le corps et l'univers semblent séparés, éloignés. Au niveau du chi, ils sont reliés. Et au niveau de la conscience, ils sont reliés aussi. Tout le corps très pur, toute la colonne de chi, les cervicales de chi, se connectent harmonieusement avec tout le Tantien supérieur. Et sous les thoraciques de chi, vite se connecte harmonieusement avec tout le Tantien médian. Tout circule librement, tout s'ouvre. Se remplit de douceur et de tendresse. Les lombaires de chi, fusionnent dans le Tantien inférieur et le bassin de chi que Ruiyin ferme légèrement vers le haut pour qu'il contienne sous les hanches, vite sous chi continuellement résonne à l'intérieur, s'accumule à l'intérieur, devient de plus en plus abondant et toutes les informations pures deviennent de plus en plus abondantes à l'intérieur continuellement. Les cuisses, les genoux, regardez profondément. Soyez conscient profondément à l'intérieur des genoux. Sous les mollets.
les chevilles, les pieds, jusqu'aux orteils. Les hanches, toute la colonne de chi, bai rui, tout sous. Et se relâche très profondément. Doucement, prenez une balle de chi. Laissez-la flotter vers le haut. Conscience existe autant à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur du corps. Elle existe autant dans le ciel bleu que dans la tête, dans le Tantien supérieur. Elle existe autant dans l'univers que dans le Tantien supérieur, que dans la colonne de Chi, que dans tout le corps de Chi, jusque dans l'univers. Déverser le chi, par la porte du ciel grande ouverte, Tantien supérieur. Au fond, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, l'univers du cou et de la gorge, puis s'illumine, l'univers du Tantien médian s'illumine, le poumon, le cœur, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, la rate, les reins, les intestins, la vessie et le système reproducteur, le bassin, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds, tout s'illumine, devient pur. Jusque profondément dans le champ de conscience et d'amour. La balle de chi doucement flotte vers le haut. Et prenez plaisir, prenez le temps. La balle de chi pénètre au travers de tout l'univers des jambes, mollets, genoux, cuisses, l'univers du Tantien inférieur, l'univers du Tantien médian, les bras,
L'univers du cou et de la gorge. L'univers du Tan Tien supérieur. Et s'élève à travers du champ de conscience et d'amour avec tous les êtres qui consciemment aiment. Qui consciemment s'éveille et tous ceux qui le souhaitent, comme nous. Avec tous les êtres, tous les animaux, toute la nature, tout l'univers, tous les gens que nous aimons, tous les gens qui nous aiment. Déverser le chi. Passe le Tan Tien supérieur. S'illumine les yeux, le nez, les oreilles et la bouche. L'univers du cou et de la gorge s'illumine. L'univers du Tan Tien médian, poumon, cœur s'illumine. Le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, la rate, les reins, les intestins. Superposez les paumes de main sur le nombril. La conscience passe au travers de la vessie. Du système reproducteur, du bassin et des jambes qui s'illuminent. Tout le corps de chi s'illumine. Tout s'ouvre. Et se vit. Prenez conscience du palais de Mingmen à l'intérieur, toute la zone arrière du Tan Tien. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Écoutez la respiration douce, profonde. Nourrir le chi, nourrir la conscience, nourrir l'amour. Toutes les pures informations de cette pratique transforment en permanence tout le corps de chi, tous les espaces pénètrent et passent au travers de toutes les cellules. Illumine toutes les cellules, tout l'ADN s'illumine. Tout se relâche.
Le champ de conscience et d'amour pénètre dans votre foyer, à travers toutes vos possessions, les murs, tout ce qui est matériel, tout s'illumine. Les animaux, les plantes, les gens s'illuminent. Dans notre quartier, tout s'illumine. Dans notre ville, le champ de conscience et d'amour pénètre partout. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le champ de conscience et d'amour qui le fait. Nous nous donnons simplement les informations. Si je dis le champ de conscience et d'amour vous illumine, cela se passe. Le champ de conscience et d'amour illumine votre ville, votre pays, tous les pays. Tout le champ de conscience et d'amour s'illumine. Toute la nature, les animaux, la terre, l'univers. Pour tous ceux qui en ont besoin. Raoul. Tout le champ de conscience et d'amour revient à l'intérieur. Merci beaucoup pour cette pratique. Doucement, séparez vos mains. Et bougez pour vous sentir bien. Partout. Ne bougez que pour vous sentir bien. Et laissez toutes les autres sensations se transformer dans ce bien-être. Tournez les épaules. Tout est dans la conscience. Où est-ce que ça pourrait apparaître à l'extérieur? Puis bougez librement. Massez le visage, détendez ce beau visage, aimez ce beau visage, l'amour pénètre dans chaque cellule. Avec plus d'amour, le visage devient plus jeune, plus beau. Tout le corps devient plus jeune et plus beau, nourri d'amour, de chi et de conscience. Tout devient plus fort, plus vigoureux, en meilleure santé. Tout a plus de sens, la conscience est plus forte. Nous sommes unis au champ de conscience et d'amour, et ça, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Cultivons tout au long de la journée des moments où nous revenons à Shanji, à la pure conscience, et où consciemment nous nous connectons au champ de conscience et d'amour. Tous les jours, à 7h et à 2h de l'après-midi, le professeur Wei médite et invite tout le champ de conscience, toute la communauté de conscience à venir méditer avec lui, à revenir à la pure conscience. Saisissez ces opportunités, si elles ont du sens pour vous, si vous voulez changer votre vie.
si vous voulez changer votre santé. Et tout simplement, si vous voulez vivre mieux, plus en harmonie, c'est des opportunités ouvertes que vous pouvez saisir ou non, selon ce que vous voulez. Quoi que vous choisissiez, ces opportunités sont toujours ouvertes. Et le reste. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique. On reste ensemble dans le champ de conscience et d'amour.